Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo don de l'association Nemco Show. Et aujourd'hui j'ai 1, 2, 3, 4 dons à vous montrer qui sont dans ce petit carton. Voilà. Allez, c'est parti, juste après le jingle. On va commencer tout de suite avec le don de Matos Endgame, alias Sylvain, qui a sa boutique à Rouen. Et en discutant dans sa réserve avec le padré, eh bien, il a décidé de nous faire don de ce jeu électronique qui est sorti il y a quelques années maintenant. Donc, c'est le Multiball Game 4. C'est le Surfer Boy, ça a l'air très très sympa. Alors malheureusement, j'ai pas de pile bouton pour vous le faire fonctionner. Et chose importante sur ce petit jeu électronique, c'est qu'on peut retirer le son. Voilà, on peut totalement éviter les bip 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 des trucs comme ça. Je vous ferai une petite vidéo Instagram si ça vous dit, donc rendez-vous sur Instagram pour voir le petit jeu fonctionner. Il faut juste que je me rachète des piles boutons parce que à chaque fois j'en achète et à chaque fois j'oublie où elles sont rangées. Ouais, les piles boutons, c'est un truc bizarre comme ça où j'arrive pas à les garder près de moi longtemps, tu vois. À chaque fois j'en prends une et après je sais plus où je mets le paquet. On enchaîne avec un petit don de la traqueuse N7 sur YouTube. D'ailleurs, on a fait une vidéo il y a quelques jours, What in the Box Challenge, où elle a bien géré, franchement. En fait, elle devait deviner des petits jeux, des objets dans la grosse boîte qui est sur le côté là. Et en discutant de la Game Boy édition Pikachu, eh bien, je lui ai dit que mon Pokémon préféré c'était Pichu. Voilà, j'adore ce Pokémon. Et du coup, elle m'a dit dans la vidéo, quand on se revoit demain. Parce qu'on devait se faire une grosse journée road trip que j'ai filmé un petit vlog, voilà, avec Ciel 2.0, la traqueuse N7 et Sony Adventure, qui ont tous les trois une chaîne YouTube, barre de dans la description si ça vous intéresse. Et puis elle m'a ramené le petit Pichu. Donc je suis trop content, c'est les premières versions des figurines Pokémon. Donc ça, c'est forcément Pokémon Johto, hein, pour ceux qui sont intéressés à Pokémon à l'époque. Elle m'a ramené le premier exemplaire de petit Pichu. Voilà, donc ça je suis trop content. Et en fait sur son crâne, c'est marqué Nintendo. Voilà, je sais pas si on va bien voir, mais c'est marqué Nintendo. Donc ça en fait un objet un peu plus collector. Bah oui, parce que c'est Nintendo qui a une partie des droits de Pokémon avec Game Freak. J'adore, et je pense que je vais me faire piquer le petit Pichu dans pas longtemps. Hein, voilà. Hein. On enchaîne avec un abonné qui s'appelle Jonathan. Jonathan, ça fait pas mal de fois qu'on discute ensemble en MP. D'ailleurs, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à venir en MP sur Instagram, Twitter, Facebook pour discuter jeux vidéo, passion, voilà. Si vous avez envie de discuter un petit peu avec moi, je suis ouvert. Les messages, voilà, vous pouvez les diffuser n'importe quand. J'y réponds dès que j'ai l'info. Des fois, je n'ai pas la notification, donc ne soyez pas stressé par ma non-réponse. Mais il m'a dit qu'il voulait m'envoyer un jeu PS4. Alors, il m'a pas dit le titre ni envoyé de photo. Normalement, je demande toujours une petite photo pour valider l'envoi. Enfin, voilà, j'aime bien. Voilà, après, vous pouvez rajouter des petites surprises. Hein, c'est ça qui est rigolo quand j'ouvre le carton. Mais sinon, il m'a envoyé, et ça, je suis très content parce que c'est un exemplaire que j'avais totalement oublié. C'est le PlayStation Hit 3 jeux cultes, un prix d'exception. La Uncharted The Nathan Drake Collection. Voilà, et qui est sous blister. Donc il y a le 1, il y a le 2 et il y a le 3. Alors entre les 3, lequel j'ai préféré? Le 3 est un peu court, le 2 est excellent. Par contre, la fin du 2, on commence à envoyer du lourd. Le boss de fin est horrible. Je suis très content, voilà, de ce petit Uncharted The Nathan Drake Collection. Et c'est le genre de jeu qu'on aime bien faire en famille. Donc normalement c'est le padré qui joue. Et puis ensuite nous on lui dit, ah bah tiens, il y a un trésor là, bah tiens, faut passer par là, ou un truc dans le genre, tu vois. C'est assez fun, c'est comme un film interactif au final pour nous, le jeu. Ah oui, et puis, oh non, non. Alors non, je retire ce que je viens de dire sur le 2. La meilleure scène ever de tous les jeux vidéo confondus, c'est celle dans le 3. Voilà, dans le 3, il y a un passage un petit peu vers la fin. Ouais, un peu vers la fin. Où il y a Nate qui est plus ou moins en bonne forme. Je vous laisse découvrir le jeu, mais cette scène, elle m'a dit, waouh, ma PS3 peut faire ça. Oui, parce que c'est des jeux PS3. Ma PS3 peut faire ça, c'est incroyable. Et franchement, visuellement, ça envoie du lourd.
Et voilà, il faut juste pour une scène dans Uncharted 3, bon, il y en a plusieurs, hein, et le jeu est excellent, mais il faut faire ce jeu absolument, parce que oh, cette scène, franchement, si je pouvais refaire que cette scène, c'est incroyable, c'est magnifique. J'ai reçu le petit jeu et il m'a dit, bah alors tu l'as déblisté ou pas? Je dis, bah non, non, là, un blister, je ne l'ouvrerai jamais, hein, à part sous la menace, sous la torture. Ensuite, on continue avec Elodie, voilà, Elodie alias Wild Pulsion sur les réseaux. C'est une abonnée qui me suit depuis bah, pas mal de temps. Voilà, on discute bien. Voilà. Et donc, elle m'a envoyé pas mal de choses. Alors, au départ, elle m'a dit, bah tiens, je t'envoie ça. Et au final, ça, elle m'a envoyé tout un carton bien rempli. Hein. Donc, on va découvrir le premier objet qu'elle m'avait envoyé, qu'elle m'avait dit de m'envoyer. C'était le The Legend of Zelda Breath of the Wild magnète. Donc, c'est des petits magnètes The Legend of Zelda que tu peux mettre sur ton frigo, sur une partie métallique, voilà, sur ta voiture, ça peut marcher. Pas la mienne parce que c'est une Matra Bagheera et c'est en fibre, donc ça marche pas. Enfin bref, on enchaîne avec, et ça je savais pas que c'était sorti, c'est trop cool, c'est trop stylé. Voilà, c'est un cahier Mario Bros, Super Mario Bros, sorti sur NES hein, à l'époque, et c'est sorti en 2015. Voilà, c'est un petit truc sympa. Franchement, c'est trop cool. Je kiffe. Donc, il y a une image lenticulaire où on voit Mario eh bien, sauter hein, comme un fifou sur les blocs, récupérer un champignon voilà, pour devenir grand. À l'intérieur, on a les différents ennemis et items, hein, les différents trucs que tu peux retrouver dans le jeu. Donc, quand même, il y a pas mal d'éléments dans un jeu vidéo au final hein, qu'on détaille au détail. Hein page avec un petit Mario par-ci et puis une petite plante carnivore par-là. Franchement, c'est très très sympa. Je sais pas où elle a trouvé ça, mais c'est génial. Je kiffe. On a discuté un petit peu et puis je lui ai dit en fait que j'aimais bien Star Wars. Alors ça, c'est plus un cadeau personnel du coup, forcément. Donc elle m'a offert, même si la dernière trilogie... on va l'oublier. Elle m'a offert eh bien, ce mug. Mais il est trop stylé, franchement, il est trop bien. Ah non, c'est juste Rey. Bah tant mieux. Y'a pas Finn et Poe là, qui servent à rien. Des nuls dans le film là, c'est de la merde. Bref, y'a que Ray qui... Et encore c'est de la merde aussi. Pour le Choco, eh bien ça va envoyer du lourd. Elodie, je penserai à toi quand je vais boire mon prochain Choco dans cette tasse. Voilà, je ferai un petit Insta, si ça vous dit. Et puis franchement, je kiffe bien, regardez-moi ça comme c'est de qualité. C'est très sympa. Mode métal, c'est vrai que ça... Beau choix, Elodie, t'as bien géré. Ensuite, alors oui, je vais pas montrer sa petite lettre. Voilà, sa petite lettre qu'elle m'a fait avec des petits dessins. Franchement, c'est trop stylé, ça. Hein, c'est trop bien. Faites-moi des dessins, moi, je veux des dessins. Bon, après, c'est un petit message, voilà, entre nous. Hein. Donc, franchement, je suis très content. Avec les petits dessins, franchement, ça rend trop bien. Je pense que je vais le garder dans le fond. Hein, ça serait pas mal. Hein, on va l'encadrer, le petit message. Ensuite, le gros cadeau qu'elle m'a offert. Alors, normalement, c'était juste un magnète. Hein. On est parti sur d'autres cadeaux. Et là, comment vous dire que mon fan de Zelda ressort en moi. Tu vois, c'est un petit peu dégueulasse, mais quand même. Voilà, elle m'a offert, à l'assaut et à moi indirectement, eh bien, une lampe Sheikah, voilà, de Breath of the Wild. Donc, très, très stylée. Alors, moi, j'avais récupéré la Triforce. Je crois que j'avais acheté celle-là, la Triforce. J'avais acheté à Leclerc, dans l'espace culturel. La version Triforce n'était pas fournie avec une prise. Donc là, j'ai le câble qui va avec pour le brancher. Et sans micro USB. Et du coup, bah, tac. Donc, une fois que c'est... donc, on peut l'accrocher au mur. Voilà, on peut l'accrocher au mur, tranquille. Avec deux petites vis sur le côté. Allez, viens t'abonner. Oh, je suis dépendant. Ah là là. Bon, ceux qui ont la ref, mettez-le en commentaire. Hein, voilà. C'est un youtubeur. Et puis sinon, le long câble, hop là, qui permet de se connecter. Tac, on a là ça comme ça. Ça va faire une belle petite veilleuse, voilà, dans le décor. Pendant les lives. Suivez-moi sur Twitch. Twitch.tv/Namco du Namco Show. Abonnez-vous, on est bientôt 1000. 1000. Bon, on est moins des 1000. Hein. Et un colis n'arrive pas seul, puisque quelques jours après, eh bien, Elodie m'envoie un petit message en disant « Est-ce que ça t'intéresse ceci ?» Et je lui dis bah ouais, carrément, c'est trop bien. Puis elle me dit « Bah, en fait, pas eu le temps de me répondre, parce que j'ai répondu dans la journée, quoi, tranquille. » Et elle m'a dit « Non, mais j'ai déjà commandé, ça va chez toi. » Je dis « Ah, ok. » Donc, du coup, elle m'a
trouver des jeux électroniques Sonic qui étaient dispo à l'époque dans les McDonald's. Alors ça, c'est la deuxième version, si je ne me trompe pas. Deuxième version avec Big... comment il s'appelle lui ? Enfin, Big quoi ? Et Cream, voilà, Cream et Cheese, qui sont apparus en tout premier dans Sonic X. Voilà, ça c'est Sonic Adventure, ça c'est Sonic X, la série animée totalement malade, totalement géniale de l'époque. Voilà, donc c'est des petits jeux électroniques, un petit peu comme les Game & Watch. Moi j'ai commencé avec ça aussi, et puis les jeux du Padre, et puis ensuite bah, ça a donné tout ce que vous voyez derrière moi, et un petit peu sur les events, voilà. Normalement, à chaque fois, les petits autocollants, voilà, ils sont un peu pourris, mais là franchement c'est en très bon état, et puis cet effet transparent c'était quand même la classe. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, encore merci à la traqueuse Sylvain de Matos & Game, lien en barre de description, Jonathan, Elodie, voilà, encore merci pour votre soutien. Bien évidemment il y aura des petites photos en plus sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à suivre le lien en barre de description Instagram Namcocho. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce, mettez un petit comme si ça vous dit. Allez, sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.